Alors, si j'ai bien compris, être végane, ce n'est pas seulement exclure de son alimentation tout produit d'origine animale. Non, ça c'est être végétalien. Être végane, c'est carrément un mode de vie dans lequel on refuse toute exploitation animale, et notamment vestimentaire, dans les vêtements, dans les cosmétiques, dans les soins également, les médicaments. Ça va bien plus loin donc. Végétalien, il ne mange pas de produits d'origine animale. Donc il y a aussi les œufs, il y a aussi le lait. Mais même pas de beurre, pas d'œufs, pas de lait, je crois. Végétalien, on ne mange pas de viande ni de produits d'origine animale. Ils sont maigres, hein. Les véganes, ils ne sont pas gros. Il doit manquer quelque chose. Hein. Voilà. Ils vivent longtemps. Il n'y a pas de calcium dans les légumes, par exemple? Non. Non. Si, peut-être certains. Ouais, c'est les gens qui ne mangent rien. Et... Ils mangent quoi d'autre à part les légumes? Les fruits. Mais ils mangent que ça alors. C'est important après de là manger que du quinoa et du tofu. C'est quoi leur raison? Peut-être qu'ils aiment pas comme on tue les animaux. Pour protéger la vie animale. Hein. Par respect pour les animaux sans doute. C'est pas forcément bon pour la santé de manger des protéines animales. Hein. Ou manger des animaux, c'est un peu comme si on se mangeait nous-mêmes. C'est peut-être pour être écolo. Hein. Je comprends, c'est pour l'alimentation, c'est pour sa forme personnelle. Le fait d'aller à l'abattoir ou d'être égorgé, etc., ça n'a rien de réjouissant. Même s'ils vivent, même s'ils ont une belle vie, finalement. Ils pensent que ça tue pas les animaux et du coup, c'est mieux. Et les animaux qui étaient tués tout le temps et qui étaient en surdosage. Je trouve que c'est normal de faire attention aussi et de ne pas manger de la viande tout le temps, de la viande qui vient de n'importe où et de faire un abattage systématique de culture d'élevage. Quand on sait qu'il faut utiliser, plusieurs milliers de litres pour un pauvre steak. Les poissons, par exemple, les saumons, là, ils vont disparaître bientôt. Parce qu'on en mange trop. Tu connais des gens qui sont végétaliens? Oui, j'ai un de mes meilleurs amis qui est végétalien. C'est une réflexion qui va dans le bon sens, je pense, mais qui, pour le moment, a plus effet de mode et qui est un peu compliqué à mettre en place. Quoi. Hier, on a été au marché, et Zadig s'est retrouvé devant les poulets morts avec la tête comme ça. Il disait, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous êtes végane? Ouais, je le suis. Chacun a son propre chemin, on va dire ça comme ça. Je fais partie de la même planète, on est sur la même planète. Donc finalement, le fait de les respecter du mieux que je peux, ça permet aussi de respecter les humains. Toujours autant passionné par la cause animale, toujours les mêmes préoccupations, la santé, écologie. De toute façon, ça faisait des années que je voulais arrêter de manger de la viande et que je savais pas comment faire. Mais manger une omelette de temps en temps, je préfère ça. Finalement, ouais. On peut très bien s'en passer, ça me manque pas. Mais c'est vrai que c'est plus simple d'être végétarienne que d'être vegan. De la fausse fourrure que vous portez? De la fausse fourrure. En plastique. C'est du plastique? Et que c'est pas forcément super bien non plus, mais je préfère porter du plastique plutôt que de porter des animaux. Il y a le rendu qui est super important, ouais, qui est beau, mais non, c'est de la fausse. Est-ce que vous pensez que les animaux ressentent la douleur? Oui, je pense, oui. Oui, fatalement, ouais. Je pense que quand j'étais petite, ça m'aurait révolté de manger du poulet. Maintenant, à mon âge, je suis plus pragmatique et je me dis que c'est la vie. Voilà, faut essayer de préserver un peu nos ressources et c'est plus à ce niveau-là. J'ai décidé que j'allais manger ce qui me plaît sans tuer les animaux.